Accueillir. Woman Art, la chaîne féminine sur YouTube. Dans cette vidéo, nous vous présentons une sélection d'œuvres d'art qui vous mèneront dans le monde de l'enchantement. Du sens. Et du sens. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Aimez avec joie. Commentez de manière responsable. Et partagez avec vos amis et votre famille. Activez la cloche pour recevoir une notification chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. C'est avec grand plaisir que nous vous présentons la peintre française Berthe Marie-Pauline Morisot, née le 14 janvier 1841 et décédée le 2 mars 1895. Berthe Morisot était une peintre impressionniste française, décrite comme l'une des grandes dames de l'impressionnisme, avec Marie Braquemont, Eva González et Marie Cassatt. Il expose ses œuvres pour la première fois au prestigieux Salon de Paris en 1864, parrainé par l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Ses œuvres ont été sélectionnées pour les expositions suivantes, aux côtés des grands noms de l'impressionnisme français. Paul Cézanne, Edgar Degas, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir et Alfred Sisley. Morisot a cultivé ses talents artistiques et a connu le succès dès son plus jeune âge, étant acceptée au salon à 23 ans et a maintenu avec ténacité sa position à l'avant-garde des peintres français jusqu'à sa mort. Elle crée une sensation d'espace et de profondeur grâce à l'utilisation de la couleur. Bien que sa palette de couleurs soit quelque peu limitée, ses collègues impressionnistes la considéraient comme une coloriste vertueuse. Il utilisait généralement largement le blanc pour créer une impression de transparence, qu'il soit utilisé comme blanc pur ou mélangé à d'autres couleurs. Dans son grand tableau, le cerisier, les couleurs sont plus vives mais sont toujours utilisées pour souligner la forme. Inspirée des dessins de Manet, elle réduit au minimum l'utilisation de la couleur dans la construction d'un motif. Répondant aux expériences menées par Manet et Edgar Degas, Morisot utilise des blancs mal teints pour harmoniser les peintures. Comme Degas, elle a joué avec trois médiums simultanément dans un même tableau, aquarelle, pastel et peinture à l'huile. Morisot peint ce qu'elle vit au quotidien. La plupart de ses peintures comprennent des scènes domestiques de famille, d'enfants, de femmes et de fleurs, illustrant la vie des femmes à la fin du XIXe siècle. En tant que femme, elle n'a pas eu accès à l'éventail complet des sujets disponibles pour ses collègues impressionnistes masculins, en particulier les aspects les plus sordides de la vie urbaine, cabaret, café, bar et bordel. Morisot a eu la chance non seulement de se marier dans une famille d'artistes, mais aussi d'être pleinement soutenue par son mari, Eugène Manet, le frère cadet d'Édouard Manet, qui a sacrifié sa propre ambition pour gérer sa carrière artistique. Elle a montré une grande appréciation du goût du public, par conséquent, ses œuvres se sont bien vendues de son vivant, et même après sa mort.
Ses talents et ses capacités lui ont valu le respect public de ses pairs masculins en tant qu'égaux, une réalisation très inhabituelle pour l'époque. Comme ses homologues masculins, elle développe également des modèles de prédilection dont sa propre fille Julie et participe aux échanges artistiques de l'époque grâce à ses attaches au sein du cercle impressionniste, restant une innovatrice en peinture jusqu'à sa mort. Il est clair que Morisot avait un lien familial fort, révélateur de la mémoire affective, où il est possible de percevoir des éléments du développement de la vie à différentes étapes, par exemple, dans une série de toiles qui reflètent l'enfance de la fille du couple, dans différents environnements avec son père. Dans la continuité de la présentation. Cette fabuleuse sélection peut ouvrir votre âme pour entrer dans le monde de la créativité. D'exister. Du pouvoir révélateur des couleurs du corps. Du son de l'âme. Et le parfum de baume. Dans la révélation dans l'esprit des lumières.